Donc on commence par ce qui n'est pas forcément le sujet qui crée de la performance le plus à court terme, mais qui est probablement le sujet le plus important si on raisonne à moyen long terme, parce que c'est là que les défis sont quand même un petit peu challenging. À l'évidence, il y a quelques années, quand on traitait le sujet RSE dans des occasions comme celle-ci, dans des conventions, des forums, etc., on avait besoin d'expliquer pourquoi c'est important, pourquoi c'est nécessaire. On était sur le pourquoi. Honnêtement, je fais l'hypothèse qu'on n'a plus besoin d'expliquer pourquoi c'est important. Peut-être l'hypothèse est un peu optimiste, mais voilà. Et le sujet, c'est plutôt de voir comment on fait concrètement. Et évidemment, quand on est un retailer qui n'est pas natif, qui n'est pas RSE natif, dont le modèle n'a pas été conçu d'emblée avec une dimension RSE, transformer un bon vieux modèle de retail en quelque chose de plus vertueux, comme le disait Monsieur Mott, juste avant, on parle bien de transformation du business model. C'est évidemment compliqué parce que les modèles n'ont pas été faits pour ça au départ. Et en même temps, on voit bien qu'on ne peut pas se satisfaire et que l'avenir du commerce ne peut pas être d'un côté des distributeurs qui sont nés pendant des périodes d'abondance et de croissance où la sobriété était une notion un peu qui faisait pas forcément sens et qui essaie un peu péniblement et avec de la difficulté, surtout sous pression économique, de devenir un peu plus RSE. Et puis d'un autre côté, des enseignes très 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 RSE, mais qui seraient que des niches et qui auraient du mal à passer mass market parce que ce serait structurellement plus coûteux, plus segmentant, etc. Cette vision du retail de demain, elle ne marche pas. On voit bien, ça ne marche pas. Le retail de demain, il est forcément à la fois beaucoup plus RSE et beaucoup plus, en même temps, mass market. Enfin, suffit autant mass market que celui d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu avoir cette table ronde anglaise de cette manière-là, en essayant de se dire, il y a des gens qui arrivent à faire les deux, en fait, qui sont à la fois des entreprises qui ne sont plus du tout des niches, c'est des vraies belles entreprises, vous allez nous en parler, qui sont en même temps fondamentalement RSE, vertueuses, responsables dans la façon dont leur modèle économique s'exprime, et qui sont complètement, qui sont mass market, qui sont modernes, etc. Et donc, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. C'est des vrais ovnis en termes de performance, vous allez voir, vous allez nous en parler. C'est des entreprises qui sont assez admirables. En plus, elles sont dirigées par des gens assez admirables, donc ça fait bien. Vous nous dites en deux mots qui vous êtes, votre vie, votre œuvre, un mot sur vous, deux mots sur votre entreprise? Vas-y. Alors, Amandine, avec spéciale mention pour Amandine, vous allez voir, elle a une voix là aujourd'hui, voilà, elle a un peu la crève, mais elle a quand même voulu faire l'effort de venir. Quand elle m'a appelé hier en me disant je parle comme ça, j'ai eu un peu peur, mais elle a tenu à pas vous planter aujourd'hui, je l'en remercie. Donc je ne sais pas comment ça va sortir. Bon, ça va à peu près. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Amandine de Souza, je suis la directrice générale du Bon Coin. J'ai rejoint cette entreprise il y a 7 mois et j'ai un parcours très retail avant ça. J'ai été chez Casino il y a quelques années. Ensuite, j'ai dirigé un site e-commerce, un pure player, Westwing, un site de vente privée de mobilier décoration. Et juste avant, j'ai passé 5 ans aux Galeries Lafayette, où j'avais la direction de l'enseigne BHV, la direction d'Italie, un concept de food restauration dont les Galeries Lafayette ont la franchise pour la France, et une partie des achats pour le groupe, notamment maison, brico et loisirs. C'est sûr que j'ai changé d'univers, de passer du retail physique, le carrelage me manque un peu certains jours, je ne vais pas vous mentir, à une boîte vraiment tech. Donc le Bon Coin, c'est 1 500 collaborateurs, ça appartient à un groupe, à Adevinta, qui est une boîte cotée à Oslo, donc ça a été cofondée par des Français et des Norvégiens, et qui, on y reviendra peut-être juste après, mais c'est vrai, fonctionne depuis maintenant 17 ans, est un modèle résilient où il y a un momentum en ce moment autour de la seconde main. Donc évidemment, sur les sujets de croisée, de pouvoir d'achat et de consommation plus responsable, on a quelque chose à proposer pour les Français et les Françaises. Mais voilà, donc on est certainement un ovni, mais qui s'est créé de façon intrinsèque autour de cette activité-là. Donc c'est certainement aussi plus simple pour continuer à développer sur ces fondamentaux de la RSE. Et tu nous expliqueras. Nous, vu de l'extérieur, on a l'impression que le Bon Coin, bah, c'est un site de petites annonces, quoi. Hein, dans la vision un peu caricaturale, un peu historique, tu nous expliqueras que vous êtes progressivement devenu beaucoup plus que ça
et qu'il y a une évolution du modèle. Vous allez voir, c'est assez passionnant la façon dont, dont l'entreprise se développe et évolue également. Alors, entreprise un peu moins connue encore en termes de notoriété, mais qui est une bombe atomique aussi en termes de fondamentaux et de performance. Je parle de l'entreprise quand je dis bombe atomique, Sabrina, excuse-moi, mais j'aurais pu... Donc explique-nous, toi, d'où tu viens. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Sabrina Laurie-Rouget. J'ai passé ma vie dans la beauté, mais dans quelque chose d'assez unique dans la beauté, que sont les modèles intégrés. Il y en a très peu, il y a très peu de boîtes qui répondent à ce modèle dans mon secteur d'activité. Mais en fait, je n'ai jamais voulu en sortir. J'ai toujours aimé posséder la capacité de pouvoir infléchir notre destin nous-mêmes. Donc, je n'ai jamais fait de wholesale, par exemple. Donc, voilà pourquoi j'aime les modèles intégrés et je les défends. J'ai dirigé l'Occitane en Europe. Ensuite, j'ai dirigé MAC, qui est le leader mondial du maquillage en France. Et j'ai rejoint Aromazone il y a pile 2 ans, quand l'entreprise, qui était une entreprise familiale basée dans les régions, donc dans le Vaucluse, a été vendue à un fonds d'investissement qui s'appelle Euraseo. Et voilà, notre mission chez Aromazone, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore l'enseigne, c'est la démocratisation d'un mode de vie au naturel. Et je crois que nous sommes en train de, effectivement, le mettre en pratique. Et peut-être la dernière chose, Aromazone au démarrage est un pure player, donc c'est un site e-commerce. Et depuis 2 ans, nous avons évidemment accéléré la stratégie omnicanal, très fortement. Mais donc sur la représentation, là aussi, qu'on a peut-être pour ceux qui n'ont pas visité récemment le site ou les magasins, mais qui connaissent un petit peu l'enseigne, c'était du DIY de la beauté et de la cosméto. Tu vendais des huiles, les essences de base, les produits. Magnifique transition. Voilà. Mais c'est plus tout à fait ça. Non, donc, c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait? Je pense que... J'ai failli faire une petite blague, mais je me suis dit que c'était un terrain beaucoup trop glissant avec vous, Cédric. J'allais dire, nous créons du désir. L'entreprise, au démarrage, effectivement, est connue pour les huiles essentielles et pour le fait maison. C'est formidable parce que ça nous a donné, de façon intrinsèque, et c'est là-dessus qu'on a capitalisé, une très forte scientificité et un très fort respect, puisque nous avons notre propre laboratoire et une connaissance immense de la formulation. Il a fallu se dire qu'on pouvait capitaliser là-dessus pour évidemment sortir de secteurs qui étaient formidables et qui restent nos secteurs historiques qu'on entretient évidemment, mais qui sont des niches. Le DIY et les huiles essentielles, ce sont des marchés de plusieurs centaines de millions d'euros, mais ce ne sont pas des marchés à plusieurs milliards d'euros, pour pouvoir devenir une véritable marque de beauté. Et effectivement, en 2 ans, nous sommes devenus le premier vendeur de soins de la peau. Je parle de cela, de crème et de sérum, hein, en digital. Nous n'avons pas encore la distribution physique pour être le premier au global, mais évidemment, c'est notre ambition. Et aujourd'hui, nous avons des sérums qui sont vendus toutes les 10 secondes en France, ce qui évidemment n'était pas le cas il y a 2 ans. Donc c'est possible de sortir de sa verticale historique en capitalisant sur des atouts et une unicité et commencer à jouer et à devenir un acteur très important sur des marchés qui sont des marchés bien plus gros en taille. Alors, on va commencer par ça, en fait, parce que vous avez des entreprises de toutes les deux qui sont sur des modèles assez atypiques, qui sont des objets un peu étranges dans le monde du retail, on va dire. Expliquez-nous d'abord quelques éléments peut-être qu'on mesure la taille, la puissance de ce que vous représentez. Et puis, en quoi votre modèle est structurellement, par nature, plus responsable, contribue à la durabilité, etc. Qu'est-ce qu'il y a de RSE chez vous, en fait, finalement? Tu veux démarrer? Alors, Le Bon Coin, c'est pour vous donner quelques chiffres. Donc, on a 17 ans. Ça va faire cette année à peu près 550 millions d'euros. Mais ça couvre une GMV, si j'enlève l'immobilier, aux alentours de 29 milliards d'euros. On est connu, nous, pour être le leader de l'échange de biens de consommation entre particuliers. C'est vraiment ça notre force et qu'on veut d'ailleurs défendre malgré toutes les transformations qu'on opère en ce moment, de devenir un média historiquement, petite annonce, un e-commerçant pour les particuliers et pour les professionnels. On y reviendra. Mais voilà, le bien de consommation, c'est vraiment ce sur quoi on communique. Mais à côté de ça, on a d'autres verticales. On est leader sur l'immobilier, sur l'automobile. Donc, si vous cherchez un véhicule d'occasion, en général, vous allez le trouver sur Le Bon Coin, sur l'emploi et sur la location de vacances. Et à côté de ça, on est la première régie digitale de France.
sur la partie publicitaire que vous pouvez faire soit sur le site du Bon Coin, soit en exploitant l'audience du Bon Coin. Mais si vous trouvez que le Bon Coin n'est pas forcément l'écran qui vous convient, vous pouvez exploiter cette donnée ailleurs, sur YouTube, sur Deezer ou d'autres partenaires. On a fait l'année dernière 111 millions d'échanges sur la plateforme. Et on est une entreprise qui fonctionne très bien aussi en termes de rentabilité. C'est à peu près 10% de croissance donc, qu'on fait chaque année. Et on est entre 45 et 50% d'EBITDA pour la France. Redis-nous ça ? Oui. Moi aussi, ça m'a fait bizarre quand j'ai quitté le retail pur pour arriver chez Le Bon Coin. Oui, c'est sûr, c'est un modèle qui est en croissance, c'est un modèle qui est rentable et c'est un modèle qui a de la récurrence de business, puisque l'activité, elle vient essentiellement pas de vous qui faisiez vos échanges entre voisins. Vous pouvez participer à ça si vous prenez des options pour booster vos annonces ou pour diffuser plus de photos sur les biens immobiliers, par exemple. Mais c'est surtout les professionnels de l'immobilier et de l'automobile. Je bois un coup. Donc, en fait, la partie particulière, les petites annonces particulières qui sont associées traditionnellement à l'image du Bon Coin, ça te génère ton trafic, ta puissance, et tu le monétises avec des abonnements, d'où la récurrence du business. On a été cette année sur la partie e-commerce, on a eu la chance en Visitora d'être premier site e-commerce sur le premier semestre devant Amazon. Donc on n'est pas peu fiers. Et c'est entre 27 et 30 millions de visiteurs uniques par mois. Donc c'est plus de 50% de la population internaute qui vient sur le site chaque mois. Alors en quoi c'est RSE tout ça ? Alors en quoi c'est RSE ? Intrinsèquement évidemment, on est le leader de l'échange de biens de consommation de seconde main. Donc nous, ce qu'on essaye de valoriser dans le cadre, c'est même plus un scope 3, c'est un scope 4, c'est l'effet positif que la seconde main peut avoir sur la réduction de l'impact carbone. On fait une analyse depuis 5 ans auprès de nos utilisateurs et on mesure que le Bon Coin permet d'économiser 11,8 millions de tonnes de CO2. Et ça, comment on le fait ? En fait, quand on interroge nos clients finaux sur la partie achat, 50% nous disent que s'ils n'avaient pas trouvé le produit sur Le Bon Coin en seconde main, ils l'auraient acheté en première main. Et donc, comme le coût de carbone est essentiellement dans la production des produits, et que moi je suis convaincue, et je vais fâcher certaines personnes de la salle, mais que tout ce dont on a besoin en biens de consommation est déjà produit, évidemment, ils peuvent normalement trouver avec 69 millions d'annonces en ligne en ce moment sur Le Bon Coin, le produit en seconde main. Et puis côté vendeur, 35% nous disent que s'ils n'avaient pas eu Le Bon Coin, ils auraient jeté les produits. Et moi, ma seule mission, c'est d'être l'alternative pour les vendeurs, de ne pas jeter les produits et de faire en sorte qu'il y ait une circularité et qu'ils retrouvent quelqu'un d'autre qui soit le répare, soit l'utilise tel qu'il est et qu'on prolonge vraiment la circularité. Et donc, ce qui est remarquable, parce que quand on pense RSE, avoir de l'impact, on a tendance spontanément, comme distributeur, à se dire on va vendre des produits un peu mieux sourcés, un peu etc. Et puis on va mettre des LED dans les magasins et avoir des camions électriques sur la logistique. Je caricature un peu, mais bon, on a des plans d'action RSE. Mais au fond, le vrai impact, si on veut en avoir un, c'est bien sûr de diminuer l'impact carbone direct de la façon dont on fait le métier de distributeur, mais c'est surtout de favoriser et de rendre possible une consommation plus responsable. Et Le Bon Coin, parce que là, tu le disais, il y a un momentum sur la seconde main et on est tous très excités, très passionnés par les sujets de circularité depuis 2-3 ans, on va dire. Le Bon Coin fait partie, est probablement l'entreprise qui a le plus contribué à l'avènement du momentum et à le rendre possible une consommation de seconde main massive au cours des dernières décennies. Donc un impact indirect qui est remarquable, effectivement. Et donc avec un impact massif et une extrême rentabilité, c'est la capacité à, et la taille et la puissance, quoi. C'est la capacité à concilier les deux qui est formidable. Bah, c'est un marché de la seconde main qu'on estime vraiment à 20% de croissance chaque année et ça va s'accélérer. C'est vrai qu'il n'y a pas une initiative par jour d'une marque ou d'un retailer qui lance son projet de seconde main.
poussée, je pense, par un, le consommateur qui s'y intéresse vraiment comme une alternative avec la pression sur le pouvoir d'achat. C'est entre 45 et 50% moins cher de consommer le même produit en seconde main. Donc évidemment, au-delà de la volonté d'une consommation plus responsable, c'est vraiment une solution d'un point de vue économique qui fait sens, poussée par le réglementaire. La loi AGEC, on n'a plus le droit ni de brûler, ni d'enfouir, et bien heureusement, les produits. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Et poussé par les marques qui veulent maîtriser leur écosystème de marques, évidemment, donc elles le font dans leurs univers. Nous, ce qu'on essaye de faire, et c'est une nouveauté avec Le Bon Coin, c'est aussi de proposer des solutions pour les professionnels, de faire une marketplace professionnelle, parce que moi, je suis convaincue qu'avec cette audience qualitative appétente à la seconde main, il y a aussi une place pour que, dans les initiatives des marques ou des retailers, même s'ils le font chez eux, qu'ils puissent aussi, via un partenariat avec nous, poster leurs annonces sur Le Bon Coin pour accélérer la rotation et le faire de façon plus industrielle grâce à nous. On va revenir sur cette professionnalisation progressive, j'ai envie de dire, de la façon dont tu dépasses le cadre historique du métier de l'entreprise. Et toi, alors, en quoi Aromazone est plus durable, plus responsable dans la façon dans ce que tu vends et dans la façon de le vendre, peut-être, que des modèles classiques, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ton modèle? Déjà, Cédric, je vais planter 2-3 éléments pour ensuite faire la bascule et répondre à ta question, qui est, je crois, l'obsession que nous devons avoir, que sont les changements d'usage et comment les accompagner et comment les rendre désirables. Je pense que c'est très bien, la loi, les normes, tout ça, et en fait, c'est des coûts, c'est des contraintes, c'est assez chiant, c'est pas très excitant. L'idée, je crois, c'est d'arriver à faire quelque chose qui puisse passer à l'échelle et qui devienne agréable, désirable pour le plus grand nombre. Donc c'est pour ça, j'insiste vraiment sur cette histoire du narratif et du désir qui, selon moi, est très important. Donc, premier élément, des quelques data clés sur Aromazone, même si on a encore un acteur finalement naissant. On a une communauté active de 2,5 millions de consommateurs en France, ce qui est énorme hein, dans notre secteur d'activité. On a une rétention que moi, j'avais rarement vue hein, dans nos métiers du commerce à 60%. Donc, on a quand même une prime énorme au recrutement, puisque derrière, ça fait des effets boule de neige, hein, de compounding d'année en année. On est aujourd'hui la marque de beauté qui a le plus de mentions sur TikTok. Alors, pardon de citer TikTok, mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup les usages hein, et la notoriété et le désir. 140 millions de mentions pour une marque de beauté qui a zéro budget marketing. Donc ça, c'est aussi très important parce qu'on est un acteur qui prouve qu'on est aussi capable d'avoir finalement une notoriété qui explose. D'ailleurs, grâce au retail physique aussi, les ouvertures de retail physique. Par le bouche à oreille. Vous avez déjà vu des magasins Aromazone, notamment quand ils ouvrent, il y a des queues. Exactement. Hallucinantes. Et sans aucun investissement, sans présence de médias, sans présence de journalistes particulièrement, par le bouche à oreille de la communauté. Je dis ça pour planter le décor plus large de donc qu'est-ce qu'on fait en RSE. La boîte, c'est vrai, c'est plus facile pour nous puisqu'on est nativement RSE, au sens où des choix très forts ont été faits dès sa création par les deux sœurs hein, créatrices. En l'occurrence, vraiment, je peux dire à quel point elles ont été visionnaires puisque c'était évidemment pas du tout sous ma gouvernance. Elles ont tout de suite décidé que l'intégralité des chartes de formulation serait 100% naturelle ou d'origine naturelle, sans conservateurs controversés et eux-mêmes 100% naturels. Et surtout, quelque chose d'absolument dinguissime dans nos métiers. Nous, on est dans des métiers quand même un peu sophistiqué, un peu exigeant, où les gens regardent un peu tout et ont besoin de beaucoup de réassurance, et sur des métiers qui ont été éduqués depuis l'après-guerre énormément à la l'over-sophistication, elles ont lancé des produits sans surpack. Il n'y a pas une seule boîte chez nous. Vous avez juste le contenant du produit, donc il n'y a pas de boîte, il n'y a pas cette espèce de cérémonial de l'ouverture de la boîte, du cadeau, du ruban, du machin, parce que mine de rien, ça, ce n'est pas très, très évident. Ensuite, elles ont été les premières à avoir l'intuition du vrac, encore une fois, dans un secteur qui est le bien-être et la beauté, où c'est quand même assez antinomique. Dès les années 2013-2014, dans le premier magasin qu'elles ouvrent à Odéon, à Paris, et puis
parce que l'histoire peut être longue et il y a énormément d'éléments qu'on peut raconter. Mais je crois que le dernier point dont nous sommes assez fiers et qui n'est qu'au démarrage et sur lequel nous mettons vraiment le poids du corps, c'est qu'on a réussi à faire la démonstration du passage à l'échelle. Mais quand je parle du passage à l'échelle, dans notre secteur d'activité, c'est déjà 2 millions d'achats par an d'éco-recharge pour des sérums visage. Peut-être que ça ne dit rien à beaucoup d'entre vous, mais en fait, en général, on achète un sérum, on le jette et on rachète un sérum. Et comme c'est un acte quand même relativement sophistiqué en beauté, il n'était pas évident de faire en sorte que 2 millions d'achats en France aujourd'hui de sérums soient faits en éco-recharge de gens qui rechargent leur sérum, leur premier achat. Et ça, ça nous permet d'avoir très confiance dans le fait qu'ensuite, on va pouvoir l'ouvrir à toutes nos autres verticales et petit à petit, peut-être un jour, devenir principalement une marque de réachat d'éco-recharge et plus de produits contenants, puisque nos contenants, et nous travaillons énormément dessus, l'idée, c'est qu'ils puissent être réutilisables et nettoyables à domicile. Évidemment, le circulaire, c'est très intéressant, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout structuré, c'est très, très compliqué. Il faut avoir énormément d'acteurs sur un territoire local qui sont engagés en même temps pour le faire. Donc, il est aussi intéressant de travailler d'autres pistes, et la piste de l'autonomie du consommateur et du changement des usages. Et je terminerai là-dessus, pardon Cédric, et je vais essayer d'être rapide. On a un autre élément fondateur dans l'entreprise, dans la marque, dans la façon dont elle a été conçue, voulue, anticipé vraiment par les sœurs, c'est cette idée de la pédagogie. On n'a pas de fiches techniques, nous, on a des fiches produits. Nos fiches produits sur nos, et c'est ce qui fait d'ailleurs la grande transparence, mais également la crédibilité scientifique et la sécurité et l'engagement de nos communautés, c'est qu'en fait, quand on parle de nos produits, on parle de la traçabilité, on parle de la composition, on parle de la concentration, on parle de toute la bibliographie scientifique qui existe autour de l'ingrédient, la molécule, etc. Ça, c'est extraordinairement déjà, un, rassurant, et deux, ça rend les gens intelligents. Parce que les gens commencent à se dire, bah, tiens, c'est marrant, je vais regarder ce qu'il y a dans mes produits, je vais lire les étiquettes. Et puis, je vais me rendre compte que ça fait 10 ans que je mets des produits où il n'y a rien dedans, versus des produits finalement moins onéreux, mieux foutus, mieux conçus, et puis plus durables en plus. Et c'est une équation. On va en parler parce que c'est la capacité à devenir mass market, en fait, au-delà du caractère RSE bon pour la planète, ça ne suffit pas en général, il faut faire deux choses de plus. Il faut avoir une dimension économique, au-delà du écologique, et puis il faut avoir la. Créer la confiance, c'est le supplément d'âme et le fait que se rendre désirable, comme tu disais. Donc on va voir sur ces deux dimensions-là. D'abord, parlons un peu d'argent. Donc l'écologie sans l'économie, sans le pouvoir d'achat, si on doit arbitrer entre la fin du monde et la fin du mois, vous savez bien comment ça se termine. En général, ça se termine plutôt le curseur plutôt du côté de la fin du mois. Et donc les modèles pour devenir mass market, ils ont besoin de cocher les deux cases. En quoi cochez-vous les deux cases ? Alors, sur le bon coin, la réponse ne va pas être hyper compliquée à nous faire comprendre, mais donne-nous peut-être quelques indicateurs sur ce que tu as commencé tout à l'heure. En quoi tu fais faire des économies aux gens ? Est-ce que c'est massif ? Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que ça vaut sur tous les produits ? Et est-ce que finalement, vous arrivez à faire un gap de prix, un apport de pouvoir d'achat sur beaucoup de catégories de produits, ou est-ce que ça reste assez limité ? Enfin, voilà. Donc c'est... Je le disais, c'est vrai qu'on est à la jointure, et c'est pour ça que je parlais de ce momentum, mais entre la pression sur le pouvoir d'achat et une volonté d'une consommation plus responsable, quand on interroge nos utilisateurs, la première des raisons pour laquelle ils viennent sur le Bon Coin, c'est évidemment le pouvoir d'achat. 99% des acheteurs nous disent qu'ils viennent sur le Bon Coin parce qu'ils veulent faire des économies. De plus en plus, ils nous disent que s'il n'y avait pas le choix de la seconde main, ils ne pourraient pas avoir accès à ces produits-là. Et donc aussi une volonté de continuer parfois à se faire plaisir sur peut-être des produits, comme disait Olivier, peut-être moins essentiels, mais pour lesquels ils peuvent encore avoir accès. Nos vendeurs hors immobilier, automobile, c'est 260 € en moyenne qu'ils ont à travers les ventes qu'ils font sur la plateforme. Donc ça leur donne ce pouvoir d'achat-là pour faire des achats soit de seconde main, soit de première main par ailleurs. Et les acheteurs, ils achètent en moyenne 400 €. Et c'est environ 300 € qui est économisé par rapport... 400 € en moyenne, c'est beaucoup quand même. Donc, ça veut dire que tu as beaucoup de tes clients,
de tes utilisateurs qui sont pas sur une, c'est pas que ponctuel et un peu anecdotique quoi. C'est, ça commence à être des niveaux d'engagement et de panier qui sont significatifs. Ouais, on a, bah, comme on a un Français sur deux évidemment, on a un peu tous les cas d'usage. On a des personnes qui sont très vendeurs, des personnes qui sont très acheteurs. Nous, on essaye de faire mixer ces profils-là pour de plus en plus d'avoir des ponts entre les acheteurs et les vendeurs. Et on a des personnes qui sont complètement addictes. Moi, ma mission, comme je l'ai dit, sur la vente, c'est d'être l'alternative à ne pas jeter. Et sur l'achat, c'est d'être l'alternative à la première main et d'avoir la seconde main comme premier choix. Et on a des clients, grâce à l'application qui est 70% de notre trafic, qui vont chercher avant Google ou Amazon parfois et se servir du Bon Coin comme moteur de recherche. Donc oui, 400 €, c'est important. Et ils économisent environ 300 €. C'est ce que je disais, ce 45 à 50% d'économie sur les produits. Tu disais la moitié des Français, grosso modo, c'est la moitié de ceux qui ont le plus besoin d'argent, ou il n'y a plus du tout de dimension socio-démo dans ta clientèle? Non, on est vraiment très très proche de la consommation française. On est souvent utilisé d'ailleurs comme laboratoire pour des analyses gouvernementales, d'associations ou d'organismes. On est réparti partout en France, comme la population, sur les genres et sur les âges à peu près égal, un peu plus jeune que la population française, et étonnamment un peu plus CSP+. Alors certainement drivé par l'immobilier et l'automobile plus que par le bien de consommation, mais on a une surpondération sur les CSP+. D'accord. Donc faire des économies en achetant en seconde main, ça confirme ce qu'on se dit tous depuis quelques années, mais toi, tu le confirmes de manière indiscutable et massive. Ça n'est plus un acte paupérisé, voire un peu socialement déclassé, plus du tout. Non, on voit, si on prend juste là, on y arrive, la période de Noël. C'est vrai que c'était poussé par l'économie, poussé par une consommation plus responsable. C'est quand même la deuxième raison des acheteurs qui viennent sur la plateforme, à 93%, et ce chiffre augmente dans les enquêtes année après année. Donc évidemment, cette conscience écologique quand même est aussi un moteur assez fort. Mais c'est aussi plus désirable. Moi, je pense que vous allez avoir, pour certains, des cadeaux seconde main au pied du sapin. Peut-être des produits vintage design, mais pas que. Et on voit une vraie tendance. On ne fait pas sur le Bon Coin que la revente des cadeaux du 26 décembre de s'attendre qu'on n'a pas aimé. On voit vraiment, comme les retailers, un vrai push sur le trafic depuis 2 ans, notamment sur la période des achats de Noël. Donc là, ça a déjà commencé. L'année dernière, c'est plus 40% juste sur la journée du 4 décembre, qui est le week-end phare pour le retail. Et donc, on suit cette tendance-là aussi, nous. Et on voit là, sur jeux et jouets, multimédia et décoration, des gros pics d'activité en ce moment. Très bien. Et alors toi, donc tu expliquais que dans le modèle, il y avait des partis pris très radicaux qui avaient été pris par les fondatrices d'emblée. Tu nous l'as raconté sous l'angle de la durabilité des produits, de la responsabilité des produits. En quoi est-ce que, comment tu fais pour arriver à faire ça en n'ayant non seulement pas des surcoûts et des coûts plus élevés et des prix plus élevés que la moyenne du marché, mais en étant au contraire plutôt sur un positionnement prix très accessible? C'est quoi cette magie là? Nous, on est sur un marché, donc vous l'avez compris, bien-être, beauté, qui est un marché exigeant, sur lequel les deux éléments fondamentaux, quand on demande aux communautés pourquoi ils nous achètent, avant même le prix, hein, c'est l'expertise, la qualité et la sécurité. Ça, c'est crucial. Et je tiens vraiment à insister dessus, parce que sans qualité, il n'y a pas d'entreprise. Donc le prix, c'est bien, c'est très important. Le positionnement prix est très important. Mais la qualité, c'est la clé de voûte. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'on a une fréquence, hein, des taux de rotation de nos produits. Notre sérum à l'acide hyaluronique, c'est des achats qui sont autour de 7 à 8 fois par an. Je pense que ces niveaux de fréquence, ça montre l'extraordinaire qualité du portefeuille. Et ça, c'est très important. Ensuite, effectivement,
À chaque fois qu'on s'intéresse à une verticale sur laquelle on est attendu par nos communautés, donc nous, on n'est pas du tout, on décide pas nous-mêmes d'aller dans une verticale. Cette verticale, elle nous est soufflée, parce qu'on a donc nos fameux 2,5 millions de consommateurs actifs qui nous parlent, hein, qui sont très volontaristes dans la façon dont ils s'adressent à nous, services clients, réseaux sociaux, sites, NPS, et nous, on lit, hein. Tout le comité de direction lit tous les verbatims, donc c'est des milliers de verbatims par semaine, hein, parce que ça rend quand même, un, intelligent, et deux, bien concret, et ça évite d'avoir des grands plans stratégiques qui, en fait, n'ont rien à voir avec les véritables desiderata et les véritables préoccupations des gens au quotidien. Et ensuite, on cherche des solutions naturelles, on va les sourcer auprès de producteurs. Et là, j'en arrive à comment on arrive à réconcilier la magie du prix. Bon, déjà, il y a, de par cette approche, une approche très pragmatique. Ensuite, sur ce qu'on va mettre à disposition aux consommateurs. Ensuite, nous, on a un modèle totalement intégré. On n'a pas d'intermédiaire du tout, ni en amont, ni en aval. On travaille en direct avec 350 producteurs agricoles, hein, puisque nous, on est très, très liés au monde agricole, hein, petits, moyens et grands, à qui on achète depuis des années, et avec qui, d'ailleurs, on a même des idées de co-construction, de nouvelles récoltes, de nouveaux ingrédients, etc. Ça, ça fait déjà sauter un intermédiaire en amont, qui, en général, se rémunère, hein, et qui permet de récupérer la valeur chez nous. Et ensuite, en aval, nous ne sommes distribués, donc au démarrage, vous l'avez compris, que sur notre site e-commerce, qui est aujourd'hui le deuxième ou troisième site e-commerce de beauté, hein, en France, après les grands acteurs que vous connaissez. Donc c'est un très gros site e-commerce de beauté et de bien-être. Et dans nos boutiques, puisque maintenant nous avons accéléré notre distribution retail également, nous avons 16 magasins en France. Et ça fait également sauter un deuxième intermédiaire qui est la distribution. Et en plus, nous n'avons pas de marketing. Et en plus, nous n'avons pas d'ambassadeur. Donc, ça fait de l'argent que nous conservons interne et que nous redistribuons dans le prix pour le consommateur. C'est les coûts marketing final. Qui font la grosse différence. Parce que dans les métiers de la beauté, ce sont des coûts majeurs. Ça peut être jusqu'à 20-25% des nets. Sans balancer les concurrents, ce n'est pas l'idée, mais malgré tout, sur les grandes marques classiques, j'ai envie de dire, de la cosméto, le prix de revient industriel du produit par rapport au prix de vente consommateur, c'est une part assez réduite, finalement, du prix. Et les coûts marketing sont colossaux. Donc, et la distribution. Ouais. La distribution aujourd'hui, c'est très difficile de conserver de bonnes marges quand on a un intermédiaire et qu'on est en wholesale. Donc nous, en fait, cette récupération de valeur, elle est redistribuée derrière au consommateur final dans le positionnement prix. Donne-nous quelques exemples peut-être sur du produit à qualité, à effet. Alors, le sérum à l'acide hyaluronique le plus concentré du marché, donc 3,5% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire formidable. Bon, ça, évidemment, il faut être un petit peu expert sur le sujet. Le plus concentré du marché, hein, sur un secteur qui est quand même, enfin, qui est un très, très gros marché, avec des acteurs qui ont 15, 20, 25 ans de pratique. Notre sérum à l'acide hyaluronique 100% naturel, sans conservateurs controversés, avec des conservateurs 100% naturels eux-mêmes, sans surpack, vegan, il est vendu à 5,95 €. Et il a les résultats scientifiques, cliniques, sur des tiers, hein, enfin, organisés par des organismes certificateurs, qui sont exceptionnels. Et il est à 5,95 €. Le marché ce qui est au milieu, à 50, sur un 60, 80 euros. Donc, sur un millimétrage, enfin, je ne sais pas comment on dit, mais un conditionnement similaire, tu es à un rapport de 1 à 10 par rapport aux grandes marques du marché. Ça va dépendre des verticales, ça va dépendre des produits. Mais oui, sur celui-ci, qui est l'exemple peut-être le plus criant, et c'est pour ça que je le cite, on est sur un rapport de 1 à 5, 1 à 10. D'accord, donc c'est un gap considérable. Donc du coup, ça nous amène au troisième thème, après l'écologie, l'économie, qui est de dire, ok, mais tout ça, comme tu le disais en introduction de ce que tu viens d'expliquer, le prix, c'est sympa, mais s'il n'y a pas la confiance, ça ne marche pas. Ou en tout cas, ça te contraint à un positionnement très segmentant, de dire que c'est des gens qui sont tellement à la recherche d'économie, qui sont prêts à faire des sacrifices sur le risque, la confiance, la sécurité, c'est évidemment pas mass market. Ça. La majorité des gens ne sont pas prêts à faire un trade-off aussi radical que ça. Donc, donc toi, tu as commencé à nous distiller, là, à nous expliquer comment tu avais construit en fait, cette confiance, cette capacité, ce côté love brand qu'il peut y avoir avec Aromazone. Là où le challenge n'était peut-être pas évident, j'imagine, c'est aussi au bon coin, parce que
dans le côté prise de risque, j'achète à quelqu'un que je ne connais pas, c'est monsieur machin, le bon coin, il se contente, il a juste publié l'annonce, mais il ne garantit rien du tout, et puis j'envoie l'argent, et puis il se passe ce qui se passe, quoi. Donc au départ, tu pars d'un modèle dans lequel le niveau de garantie, de sécurité sur est-ce que je vais recevoir le produit, dans quel état il sera, etc., qui est un modèle faible, avec des qualités de photos et de descriptifs qui sont ce qu'ils sont, enfin, etc. On sait tous cet effet prise de risque. Donc un des enjeux pour toi, c'est de ramener de la confiance et de la sécurité dans la transaction. En fait, évidemment, la sécurité, c'est notre priorité numéro un pour les utilisateurs finaux. Alors, 80% des échanges se font encore en face-à-face. Donc, en général, quand tu fais l'échange en face-à-face, tu vois le produit et tu arrives à mesurer s'il te convient immédiatement ou pas. Mais malgré ça, on s'est dit, un Français sur deux vient sur la plateforme, 60 à 65% des Français ont déjà fait des achats de seconde main et il y a une vraie intention, on pense qu'on sera bientôt à 75%. Donc on a encore à convertir, malgré ce positionnement de leader, des Français, des Françaises qui ne sont pas encore axés seconde main parce que parfois ils ont peur de la qualité du produit, de qu'est-ce qu'ils vont recevoir et comment ça va se passer. Certains n'ont pas envie, même si c'est un atout majeur pour moi, pour le Bon Coin, cette proximité, ces rencontres. Certains n'ont pas envie de rencontrer ou n'ont pas le temps. Donc c'est pour ça qu'on a fait vraiment cette transition d'un média petite annonce à un e-commerçant, aussi pour essayer d'aller convaincre une partie de la population par des solutions de facilité. Donc je parle du paiement sécurisé, de la livraison à domicile, en lockers, en point relais. Et dans le paiement sécurisé, on le propose d'ailleurs même en face à face. Si tu ne veux pas aller sur un parking avec du cash sur toi, tu peux le faire via le paiement sécurisé sur la plateforme. Il y a une sorte de séquestre et à partir du moment où tu as validé le produit et qui correspond à tes attentes, on libère l'argent. Tu parlais de la livraison. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que vous faites maintenant. Dis-nous un mot peut-être là-dessus. Entre particuliers et plus récemment pour les professionnels, on est venu vraiment, c'est pour ça qu'on est rentré dans les rankings du e-commerce. On travaille avec Mondial Relais, avec Shop2Shop, avec La Poste pour offrir tous les services de livraison, le paiement sécurisé, le paiement en plusieurs fois. Et on n'est qu'au tout début de l'histoire en tant que... Alors ça marche comment ? Attends, j'achète à Pierrot là-bas. Là. Il m'a vendu un bouquin très cher. Et j'ai envie de me faire livrer. Ça marche comment ? Ça transite par un entrepôt ? Tu as du stock ? Ça envoie direct ? Enfin, c'est quoi le modèle Non, tu peux faire de l'achat direct. Donc ouais. C'est-à-dire que tu n'es même plus obligé d'échanger dans la messagerie si tu n'as pas envie. Tu peux quand même le faire si tu le souhaites. Messagerie qu'on a aussi sécurisée. Sur tous les sujets de fraude, on y reviendra, mais on a vraiment essayé de faire en sorte que tout se passe sur la plateforme pour éviter le maximum de pépins et de fraude. Il n'y a pas un jour où on n'a pas une histoire à me raconter avec Le Bon Coin, mais à travers les 17 ans, on a aussi beaucoup évolué là-dessus et c'est vraiment notre priorité. Donc, si tu vends ton produit et que tu coches la case « livrable », la personne va l'acheter avec cette option-là et toi, tu vas l'empaqueter en majorité, la plupart du temps, avec du packaging de seconde main, là aussi. Donc, on utilise ce qu'on a à domicile, un vieux carton, des vieux emballages qu'on a reçus du e-commerce et tu vas le déposer dans un point relais qui va le livrer dans le point relais de la personne qui l'a acheté. La personne va venir au point relais, va le récupérer, va s'assurer que ça correspond à ses attentes et une fois que tout est validé, on va libérer l'argent. Génial. Et donc, tu es une vraie e-commerçante. Je suis une vraie e-commerçante. Donc, on a encore beaucoup de services à proposer pour sécuriser tout ça. On le fait un peu déjà sur la voiture d'occasion, par exemple. On a, entre particuliers, une garantie panne mécanique. Mais sur le bien de consommation, on n'est qu'au début de l'histoire, sur tout ce qu'on peut proposer de services additionnels pour convaincre, justement, ce Français sur deux qui n'a pas encore passé le pas de la seconde main. Et dans ma conviction, c'est de faire sauter cette crainte que certains peuvent encore avoir sur l'authenticité et la qualité des produits. Des choses que je t'ai entendu dire, tu dis que la seconde main ne soit plus un second choix finalement dans la consommation et que acheter en seconde main soit le premier réflexe et où finalement on achète du neuf que quand on n'a pas réussi à l'acheter en seconde main. C'est d'inverser la...
le raisonnement, c'est ça Ah bah oui, moi, mon rêve, évidemment, c'est d'être le premier moteur de recherche quand tu as un bien de consommation à acheter et que voilà, ton premier réflexe soit plutôt d'ouvrir l'appli du Bon Coin que celle d'un concurrent américain. Et toi, donc Sabrina, tu as égrené déjà pas mal de choses sur comment tu fais pour construire cette fidélité, cette adhésion, puisqu'il y a un vrai, enfin c'est une vraie love brand de Aromazone au vrai sens du terme. Donc tu as parlé de la qualité, mais finalement, comment on fait pour créer un tel engouement, un tel lien, une telle préférence, alors qu'on fait pas de marketing ? Enfin, ça paraît un peu. Quand on fait des exit surveys sur les newcomers, les news arrivants dans la marque, et qu'on leur demande comment ils l'ont découverte, à quasi 50%, c'est du bouche à oreille. En fait, je pense que quand on découvre quelque chose qui est transformatif, qui est de qualité supérieure, d'ailleurs, je crois qu'Amandine est elle-même je suis cliente, j'avoue, utilisatrice le sérum. Du sérum à l'acide hyaluronique, qu'en plus, on se dit que pour 5,95 €, ben, on peut l'utiliser de façon généreuse, quoi, hein, et quotidienne, etc. Et que du coup, on se met un petit peu à regarder les autres verticales et qu'on se rend compte que c'est la même charte de formulation, la même traçabilité, la même exigence, la même scientificité sur la nutrition, sur le corps, sur le capillaire, etc. Non seulement on crée des effets de profondeur de gamme au sein des clients existants, qui, on le voit chez nous, peuvent en fait, acheter dans 7-8 catégories différentes par panier, quasi systématiquement, et deuxièmement, qui en parle autour d'eux à entre 5 et 10 personnes. Et ça, ça fait des effets d'agrégation organique très forts. L'autre élément important, c'est que quand on a une approche très scientifique dans notre secteur d'activité, et très scientifique au sens documenté, on ne se décrète pas scientifique. Nous, on travaille sur, au démarrage, principalement des matières premières qui ont elles-mêmes fait l'objet de beaucoup de littérature scientifique. Et qu'on agrège toutes ces littératures scientifiques sur d'un site e-commerce et que du coup, on est parmi probablement les meilleurs acteurs en SEO, et bien pareil, on s'achète en fait une espèce de capital de trafic et de bouche à oreille parce qu'il y a de l'exigence aussi sur la façon dont on travaille en amont. Donc j'ai envie de dire que ne pas sacrifier, faire des renoncements, s'interdire des choses. Il y a des matières premières qui nous sont demandées, il y a des produits qui nous sont demandés par nos communautés qu'on ne lance pas parce qu'on ne les trouve pas dans la qualité qui est la nôtre. Ou alors, elles existent, mais les territoires sont trop petits. Et on sait qu'on ne pourra jamais scaler et qu'on va faire du mal à la biodiversité. Eh bien, on n'y va pas. On passe à côté de business. Ça, c'est renoncement au démarrage. Le choix et l'absolue exigence sur la qualité, parce qu'on sait que derrière, on aura un écosystème pérenne et que cet organique, ce bouche à oreille, cette reconnaissance, amour de la marque et deux, cette capacité qu'ont tous nos clients à en parler autour d'eux, ne continuera que si les produits sont exceptionnels, point. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il y a un moment où ça s'arrête. Alors moi, j'adore ce que tu dis là. C'est une conviction personnellement que j'ai depuis très longtemps du fait que être commerçant, c'est d'abord choisir les bons produits et que la fidélité des clients se fait d'abord sur les produits, avant tout. Et donc, ce que tu dis, c'est que vous êtes retailer, vous distribuez, mais fondamentalement, l'ADN de la boîte, c'est d'abord construit sur l'absence de compromis et l'expertise et l'excellence sur les produits. Les produits. Absolument. Et vraiment, je réinsiste parce que je connais un petit peu mon secteur d'activité et je peux dire que des fréquences à 7-8 fois par an sur un même produit, c'est extraordinairement rare. On est sur des métiers très volatiles, on est sur des métiers ultra concurrencés. Je pense que la beauté, c'est probablement un des secteurs d'activité les plus concurrencés et sur lequel il y a le plus d'investissements médias qui existent. Donc encore une fois, avoir des gens qui ont une telle stickiness à la marque, ça montre bien qu'ils y trouvent leur compte et qu'ils voient de facto des résultats sur leur peau, sur leurs cheveux, sur leur alimentation. Donc l'authenticité, ça paye quand on ne fait pas les compromis. Ça me fait penser à une anecdote. À Diamart, mon métier principal, ce n'est pas de faire des événements, c'est quand même de conseiller les retailers. On a une mission pour Grand Frais en ce moment. On travaille avec Grand Frais, qui est, comme vous savez, un des success stories incroyables des 15 dernières années en France. Et donc, j'étais assez content de découvrir mieux cette entreprise pour savoir pourquoi ça marche. Qu'est-ce qu'ils font de mieux que les autres pour avoir réussi à prendre le marché comme ça,
Alors qu'objectivement, si les GMS faisaient bien le boulot, il n'y a pas de raison que grands frais existent et qu'on fragmente les lieux d'achat. Et la réponse, c'est exactement celle que tu viens de donner. C'est qu'ils te disent, ils t'expliquent, les gens de grands frais, de ProSol, mot pour mot, exactement ce que tu viens de dire. On préfère ne pas vendre et rater du business que faire des compromis sur la qualité. Par exemple, l'année dernière, nos premières livraisons d'abricots, on était déçus par la qualité de ce que notre fournisseur nous a livré, et donc on a préféré lui renvoyer la cam, et on a eu les abricots 10 jours après tout le monde. Donc les magasins étaient furieux et ils appelaient en disant, en nous insultant, en demandant pourquoi on n'a pas des abricots, et on disait non, ils sont pas assez bons. Exactement, et nous c'est assez courant. On a des verticales, des produits qui nous sont demandés, sur lesquels qu'on ne lancera jamais. Et on a un dialogue avec notre communauté, on leur explique pourquoi. Ça, c'est très important. Faut que notre communauté comprenne qu'on l'écoute, qu'on prend vraiment à cœur ce qu'elle nous raconte, mais que parfois, c'est juste pas possible. Ou alors, parfois, on explique aussi pourquoi on ne peut pas aller aussi rapidement qu'elle le souhaiterait, parce que il y a juste des contraintes physiques réelles que sont les contraintes de la planète. Il y a une autre chose qui est frappante. Alors, vos modèles sont très, très différents, évidemment, mais il y a un autre point commun quand on vous regarde un peu de loin, c'est ce que j'aurais envie d'appeler cette horizontalité de la relation avec les clients. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une posture de dire je suis, même si tu as une love brand, en même temps, il y a un côté communautaire ou en tout cas de proximité, de simplicité de la relation, etc. Alors, dans le C2C, t'es communautaire au sens où les gens s'organisent entre eux, quelque part, t'es un facilitateur de la relation qui va s'établir entre eux. Toi, tu le disais, tu as un côté fan, communauté, passionné, d'ambassadeur qui est assez incroyable. Et dans tous les cas, vous incarnez, enfin, de mon point de vue, une des versions modernes aussi du marketing, du marketing de demain, qui est un marketing qui se reconstruit par en bas, si j'ose dire, plutôt qu'un marketing très, très par en haut. Et pourtant, vous êtes... Un petit peu moins maintenant que tu as des magasins, mais au départ, vous êtes des pure players. Enfin, vous êtes donc, il n'y a pas de contact physique, on ne vous rencontre jamais, finalement. Comment on fait pour construire une telle proximité, un tel sentiment de proximité, de complicité avec des clients qu'on ne rencontre jamais, finalement, quand on fait de la vente à distance? Je me permets. Pour moi, c'est l'écoute active. Et c'est des métiers d'une grande humilité. Personne n'arrive chez nous le lundi en disant « j'ai décidé que cette année, ça allait être l'année du bleu ». Je dis ça parce que de là d'où je viens, ça existe assez régulièrement. Je vous dis, le comité de direction passe 4 heures le week-end à lire les verbatims des clients. C'est une obsession. L'obsession, c'est d'être sur la balle, mais sur le concret, des remontées, de nos clients. Alors, on commence à en avoir de plus en plus. Donc, évidemment, maintenant, on va trouver des outils pour nous aider, parce qu'il va falloir faire de l'analyse sémantique, etc. Parce que le moment où on ne pourra plus humainement tout absorber, mais pour le moment, on peut encore les lire. C'est très contraignant, mais nous le faisons. Parce que c'est une discipline que nous nous imposons pour rester complètement sûr, depuis le démarrage de l'entreprise, ce qui est l'écoute des communautés, l'écoute de leurs besoins et la réponse qu'ensuite on y apporte. En fait, c'est pas si compliqué comme concept. Ce qui est très compliqué, c'est de le faire vivre. Pour de vrai, culturellement, dans l'entreprise, et de choisir des gens qui vous entourent, qui sont à l'aise avec ça, et qui vont mettre vraiment profondément leur ego de côté. Et tu sais, alors, petit message aux gens, aux retailers qui ont des magasins, vous aimez vous répéter que, ouais, mais moi, mes clients, je les connais, je les rencontre dans les magasins tous les jours. Bon. Mais du coup, les gens qui ne rencontrent pas leur magasin tous les jours, parce qu'au départ, quand on est vente à distance, on n'a pas la chance de les croiser régulièrement. Les clients ne rencontrent jamais l'entreprise. En fait, ils rencontrent la marque, le site internet, etc. Et moi, ça m'a souvent frappé. J'ai souvent trouvé quand vous êtes un pure player et que vous n'avez pas la chance de rencontrer physiquement vos clients, du coup, vous vous obligez à mettre en place des modes de fonctionnement, des routines, des process, des capteurs, pour fabriquer en fait cette écoute qui ne vient pas naturellement, alors que les distributeurs en magasin, parfois vous vous exonérez un peu vite de l'obligation de construire la relation et la proximité avec les clients sous prétexte qu'ils viennent visiter votre entreprise au travers des magasins tous les jours. Moi, je pense que les clients, si on veut les écouter, ils nous parlent tout le temps, partout. Les commentaires sur le site, les réseaux sociaux, le service client, les NPS. Nous, on envoie des questionnaires proactifs aussi, plusieurs fois par an, sur des sujets précis à nos communautés. On leur envoie par email. Tout le monde a des emails, puisque tout le monde a du CRM. Enfin, si on veut, tout le monde a accès au feedback client. Il faut le vouloir et il faut ensuite vouloir traiter l'information et vouloir aussi, parfois, une forme de lucidité.
parce qu'ils ne sont pas que sympas. Ça a beau être une love brand, il y a plein de trucs qui les horripilent et sur lesquels il faut avoir le courage de dire qu'il faut agir. De toute façon, en plus, quand les entreprises comme la tienne, dans lesquelles les clients sont tellement fans, quelque part, les clients se sentent copropriétaires. En fait, ils ont l'impression qu'ils ont des droits sur l'entreprise et ils te disputent quand tu ne fais pas exactement ce qu'ils pensent que tu devrais faire. Et le Bon Coin, elle existe cette notion de complicité, de proximité client, tu l'entretiens, comment tu fais ? La proximité, alors c'est une de nos valeurs chevillées au corps, même en interne, dans la façon dont fonctionne l'entreprise. Mais c'est vrai que cette proximité-là, elle est par cet asset qu'on a et que personne ne pourra nous prendre de cet échange physique. Dans 80% des cas où les gens se rencontrent. Et c'est vrai que quand on interroge nos utilisateurs, ils sont très fiers aussi de participer à ce lien social et à ces rencontres. 14% nous disent d'ailleurs qu'ils conservent des contacts et des échanges après la rencontre. On a quelques histoires de mariage, même si ce n'est pas notre vocation première. Donc évidemment, ce lien social, moi, je le trouve extrêmement important. Et la proximité, même si on fait quelques initiatives pour donner à voir de temps en temps en retail physique. Mais bon, on est une marketplace, donc un hébergeur d'annonces. Moi, je ne porte pas de stock, donc c'est très difficile. Je suis très souvent sollicitée pour faire des pop-up stores ou des choses physiques. On arrive à trouver pour faire des choses court terme, mais c'est vrai que c'est pas mon savoir-faire. Mais la proximité, on la travaille différemment, notamment en sponsorisant des événements. Mon centre-ville ou mon centre-bourg, un incroyable commerce. Et dans notre volonté de toujours être un facilitateur, même pour les magasins physiques, et de jamais opposer digital et physique. Et le Bon Coin, évidemment, ça peut être une solution pour écouler certains stocks, faire venir de l'audience dans les magasins. Donc on sponsorise avec Auxilia du groupe SOS cette initiative en forme un peu hackathon pour essayer de revaloriser les centres-bourgs et les centres-villes où on a des apporteurs de projets et des personnes du Bon Coin et d'autres dans les villes les accompagnent pour qu'ils aient un projet viable pour reprendre des baux qui sont vacants dans les centres-villes et les centres-bourgs. Et donc cette proximité, on la travaille aussi par d'autres initiatives. Mais je pense que le point clé pour nous, c'est le produit, mais pas comme vous l'entendez. Nous, ce qu'on appelle le produit, c'est la plateforme. C'est d'avoir une expérience utilisateur la plus fluide possible. Et notre obsession au Bon Coin, c'est d'être le site le plus accessible. Quand on touche un Français sur deux, on touche tous les âges, toutes les catégories socioprofessionnelles. Et donc, on veut un site qui soit très facile d'utilisation, même pour les personnes les plus averses au digital. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. On voit, évidemment, on se compare beaucoup à d'autres. On voit qu'il y a des choses plus sophistiquées qui existent parfois, mais sur lesquelles on ne va pas volontairement parce qu'il faut que n'importe qui puisse, en 5 minutes, avoir la bonne interaction avec la plateforme Le Bon Coin. Mesdames, merci. Merci. On va prendre une ou deux questions simplement, parce qu'évidemment, on a été trop bavard, comme d'hab, on est un peu en retard. Mais je pense que ça mérite qu'on prenne 3 minutes pour permettre, si vous avez une ou deux questions à poser à ces ovnis de performance. Et je pense que le propos est très clair. On voit bien, il faut, pour être un leader de demain, il faut cocher les différentes cases. Vous le faites de manière admirable. Vas-y. Je vois pas grand-chose. Grégoire Spiesser, je travaille chez Chris Group, donc je suis en charge d'une enseigne d'optique et d'innovation pour le commerce. Je m'intéresse tout particulièrement à la seconde main et très client du Bon Coin où j'achète et je vends tous les mois. Merci. Je voudrais juste que tu nous dises si tu penses que la fin en fait du neuf ou le fait qu'il n'y ait plus un jour de stock de neuf, c'est un fantasme parce qu'en fait c'est ton fonds de commerce. Et si oui, comment tu l'abordes ou comment vous l'anticipez? Jusqu'où tu peux pousser le curseur de l'ambition sur la bascule du neuf vers la seconde main? On est au tout début, si on regarde la partie e-commerce, 8% du marché, c'est de la seconde main. C'est très variable selon les catégories. Il y a des catégories plus avancées, la mode, et des catégories bien plus en retard aussi pour les facilités de livraison, l'ameublement. Donc 8%, on se dit qu'on a encore une marge de progression qui est colossale.
surtout, et en plus, je ne vais pas bannir le neuf, surtout les aspects beaucoup plus créatifs, artisanat, savoir-faire à préserver. Donc évidemment, j'espère qu'il y aura toujours et de plus en plus un tissu industriel qui reviendra en France. Mais on peut imaginer qu'un jour, ça représente 30% des achats ? Ouais, moi, je pense que sur certaines catégories, notamment... Alors, c'est un pas de côté, mais c'est quand même très proche de la seconde main, sur tout ce qui est reconditionné, par exemple. Sur si on associe ça, évidemment, on cherche, nous, à avoir des professionnels sur la plateforme sur ces produits-là. Et de plus en plus, poussé par le réglementaire sur les fonds de réparation et donc des initiatives pour plutôt faire réparer que d'acheter du neuf, on va pouvoir atteindre au moins 30% sur certaines catégories. Ce sera très, très différent, je pense, par catégorie. Je n'ai pas le fantasme qu'il n'y ait plus de produits de première main. J'ai le fantasme que le premier réflexe soit déjà d'aller chercher si le produit existe près de chez moi en seconde main. Donc, je pense que oui, on est au tout début de l'histoire. Et toi, question similaire mais un peu différente, sur les produits nus, on va dire, ou en tout cas déshabillés de toute la couche marketing qui éventuellement crée de la valeur pour l'entreprise, mais pas beaucoup pour le client. Tu imagines que ça peut monter jusqu'à où, cette espèce de positionnement sur des marchés hyper marketés, avec des marques hyper fortes, mais de rentrer avec un modèle plus nu, plus déshabillé, plus authentique? Sincèrement, je ne me suis pas posé... je sais que personne ne va nous croire, mais on ne se pose pas la question de part de marché. On écoute... On observe, on a la chance d'être chez nous, c'est le modèle intégré, ça c'est formidable, c'est une force de frappe de dingue, donc on essaie, quand ça mord, on accélère, donc ça peut aller très très loin. Encore une fois, en 18 mois, on devient le premier vendeur de soins de la peau en France, online, mais même moi je suis tombée de ma chaise, c'est-à-dire qu'on est devant Clarins, Lancôme, L'Oréal Paris, en volume, donc tout est possible. J'ai envie the sky is the limit. Merci, bravo. On va passer à... Ouais. Allez, une dernière, mais en vitesse parce qu'on est à la bourre. On y va, bonjour. Isabelle Pintio, Décathlon. Je vais m'adresser à Sabrina. Bravo pour votre modèle, je ne connaissais pas, mais je retrouve beaucoup de choses, et notamment l'écoute client et le modèle intégré. Moi, j'ai deux petites questions. Quelle est la moyenne d'âge de vos clientes et est-ce que vous avez une cible de conquête cliente un peu différente? Et du coup, qu'est-ce que vous pensez devoir activer pour aller chercher cette cible? Alors nous, on ne fait pas d'études à proprement parler, donc je serais bien embarrassée de vous répondre. On a fait, des questionnaires l'année dernière. Il semblerait que notre moyenne d'âge soit autour de 35 ans. Mais alors, je prends ça avec des grandes pincettes, parce qu'en termes d'études, on n'est vraiment pas les experts du marché. Franchement, rendez-vous dans un magasin Aromazone, vous allez trouver absolument la population française. Vous avez des gamines, vous avez des personnes beaucoup plus âgées. J'ai 15% d'hommes déjà dans ma base client. En beauté, 15% d'hommes, ça n'existe pas. J'ai tous les milieux sociaux, j'ai toutes les couleurs de peau. J'ai le monde rural, j'ai le monde urbain. On a tout le monde. On est une marque d'une universalité de dingue. Et en fait, ça m'amuse beaucoup parce qu'on a tous été dressés. Enfin, moi, la première à travailler sur des segments de marché, des cibles. Nous, je crois qu'il faut surtout on travaille pas les cibles. Il faut qu'on travaille la qualité, l'obsession du produit, la mise à disposition la plus fluide possible justement sur nos réseaux e-commerce, retail. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est l'accessibilité, la proximité de la marque. Les gens, ils veulent la marque à côté d'eux. On est une marque de proximité, de quotidien. Et c'est cette équation-là qu'il faut qu'on remplisse avec nos moyens, qui sont les moyens d'une petite entreprise qui se développe. Et voilà. Façon dont tu le racontes, c'est super. L'écoute client et le marketing traditionnel, ce n'est pas la même chose. Le marketing est parfois tendance à devenir un exercice un peu marketeux, un peu plaqué, un peu artificiel, où on est un peu hors sol d'une certaine manière. Et on parle beaucoup de connaissance client, c'est très bien. La connaissance client, c'est génial, à condition qu'elle soit basée sur de la vraie écoute client. Parce que la connaissance client un peu théorique, un peu artificielle, si elle n'est pas basée sur une culture d'orientation client et d'écoute client, elle ne sert à rien en fait. Et je trouve que tu l'incarnes parfaitement.